Salut les amis du le CD nouvelle vidéo, la première du mois, la dernière euh, du... De la saison. De la saison, euh, avant les, les grandes vacances, les dernières commandes du mois, elles sont ici. Andrés... Après, à retour, on aura une pile comme ça. Ah ouais, parce que là, il y aura le mois, mois de juillet, il y aura le mois d'août... Et, et peut-être le mois de septembre. Ouais, déjà, non, mais je pense que déjà au mois d'août, ouais, on aura ouais. Donc voilà, euh, vous en conviendrez, Enfin, pour dégouiller ah là les là. couleurs, ah là mais là. moi, personnellement, euh, ce mois-ci, Ouais. Pour le, les commandes du mois, au mois de juin, il n'y a quasiment rien qui m'intéresse. Aussi fou que ça puisse bah, vous paraître, il n'y a, a, que... a quasiment rien qui, qui a attiré mon attention. Il y a en tout deux films qui sortent ce mois-ci, des nouveautés, qui ont, ouais, des nouveautés qui ont des, des, ouais, une nouveauté, une réédition qui a attiré mon attention. Et, et bon, bah dans des cas pareils, moi, j'en profite, euh, comme je fais d'habitude, pour aller euh, faire un peu euh, les, les fonds de tiroir, voir un peu euh, ce, ce que ce j'ai raté, ce, que raté ouais. euh, ce ou alors ce qui a été réédité il y a X temps que mm -hmm. j'ai pas directement sauté à cause d'une commande. Euh, plus onéreuse trop, que Trop, trop, ouais. trop onéreux, ouais. c'était pas le bon mois. Je jette un petit coup d'œil, j'ai toujours un panier euh, qui est, ben, je pense qu'il est avec 80 ou 90 articles. Mon, mon panier de de d'Amazon à enfin, panier, euh, pour plus tard. Il euh, y a il y a un paquet de trucs et là je jette un coup d'œil et puis bon bah voilà. Tu dis maintenant je le prends. Ouais, ouais maintenant je le prends et bon sans exagérer parce que les vacances arrivent. Mais au bout du compte ben, ça nous fait quand même 7 euh, commandes. Quand même c'est ce que je disais. Bon euh, t'as pas arrivé à la dizaine mais sept, ouais, sept commandes. Euh, On euh, est là. La liste est ici et il euh, y a déjà euh, quelques articles que je possède et qui vont se, euh, ouais, qui vont se retrouver sur cette table ici okay. comme par magie. Voilà ils sont ici à côté. On va commencer par le, le premier qui est une nouveauté que j'aurais aimé voir au cinéma parce que moi personnellement, euh, tu, tu le sais, j'en suis fan, c'est du Tom Hanks, ah oui, oui, ouais, le, le pire voisin, il est prévu euh, pour le 7 juin euh, en Blu-ray, c'est une euh, comédie, semble-t-il, assez sympa sur ouais, euh, les, la... les liens humains tu ouais, vois un peu la... le scénario j'ai vu la bande annonce justement ouais, ouais, oui. moi euh, c'est pas très compliqué euh, tout ce que tout... sort euh, l'acteur euh, en gros en immense majorité j'achète et tu le regardes ouais, <laughs> j'achète je regarde j'adore bon ben bah, ici... ouais, bon, bah, niveau ci... niveau scénario bah euh, rien de nouveau hein, pour le cinéma hein, hum. hein, on a adapté ça euh, des milliers des milliers de fois au cinéma ici euh, l'artiste euh, jouerait le rôle d'un vieux monsieur euh, âgé euh, veuve qui euh, fera euh, la rencontre euh, avec euh, de nouveaux voisins et, et qui créeront chez lui des liens humains insoupçonnés jusque-là. En gros, euh, mmh. moi, il me semble que c'est ça. Si une, je... chouette, une chouette petite comédie, enfin, comédie, euh, ouais, ouais. un chouette petit film euh, familial. Ouais, moi, enfin, j'ai juste dit. vu la bande-annonce ouais. et bon, ben, euh, voilà. comme je viens de vous l'expliquer. Tom Hanks ben, là, c'est bon. bon <laughs> hein, tout, tout, tout ce qui est Tom Hanks, euh, j'achète. C'est une nouveauté. Je l'ai raté au cinéma. Donc j'insiste, il est prévu le 7 juin uniquement et exclusivement en Blu-ray, enfin en DVD aussi je pense, mais mm. euh, pas de 4K, sauf si vous avez mm. euh, euh, une, petite, euh, une petite info que je n'aurai pas. Euh, si la commentaire, ouais, commentaire. commentaire s'il si y a du 4K euh... comme ça tu l'achètes en 4K Ouais le 4K justement pour le prochain il en est question et pour la énième fois bah ouais Forrest Gump le lire euh, Ouais Forrest Gump ressort une euh, okay. nouvelle fois et de nouveau réédité en 4K il l'avait déjà été réédité ouais, je, pense. Ouais, le, je pense Ouais je pense l'année passée ici il est réédité euh... Coffret, coffret, un petit coffret chouette ou ouais, euh, en, en steelbook. Moi, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout puisqu'il reprend euh, la les couleurs, euh, l'image euh, du, du collector. Donc, je sais pas si tu vois. Enfin, vous, vo vous voyez l'image. Bleu. Pour... Ouais, le bleu. Okay. Exactement. Euh, j'aime pas du tout. C'est un simple steelbook. Moi, personnellement, ce que je vais faire, je vais prendre la l'édition qui est euh, sur euh, Amazon, mm -hmm. en 4K, donc euh, avec euh, la, la, marée. la marée et un slipcover carton. Euh, l'image, c'est euh, l'image donc euh, qu'on a toujours connue, ouais. la blanche assise sur un assis banc. Sur une, ouais. Il y a le Blu-ray dedans, il y a le 4K dedans. Il est présenté à 14,99 Moi, je l'ai déjà commandé, je le reçois normalement ou aujourd'hui ou demain. Et je vais simplement le switcher. Tu peux laisser la photo. Ouais. Avec Vous avez les deux photos. Ouais, hein. Avec mon édition euh, ouais. Digibook. Très, très belle. Ouais, très, très belle. Euh, je vais, euh, sortir le DVD. Je vais mettre le 4K. Le Mais 4K déjà, là, c'était du Blu-ray. Hein. Là, c'était déjà du Blu-ray. Mais je pense, sais pas s'il y avait un Blu-ray et un DVD. Il y avait les deux. il y avait ouais, Moi, je vais sûrement switcher une des deux galettes. Voilà, et, ça. et je mettrai le, le 4K à l'intérieur. Et donc, voilà, c'est ce que je vais faire maintenant, euh, pour vous, ben, bah, euh, Sachez qu'il y, ouais. ouais, ou bon. y a le Steelbook. Ouais, il y a le, il y a le Steelbook que vous voyez, euh, en photo. Il est prévu pour le, le 7 juin. Donc, uh, Forrest Gump. Petite euh... parenthèse. Petite parenthèse, ouais, je ne sais même pas encore une anecdote, ça peut le devenir. forest Gum date de 1994. Euh... passé. Non, non, son anniversaire arrive. Ah, arrive, ouais, ah oui. On est oui, en 2023. Oui, mais donc, mais, euh, non, mais il vient déjà de passer, ils ont, ils ont fait le collector là qui est ah, moche. Bah C'était déjà il y a 4 ans, manifestement. Voilà, c'est ça. Parce que là, le film date de 1994. Ouais, 2004. Oh, ouais. est-ce que pour 2024, pour, pour les 30 ans du film... Ouais, pour les 25 ans qu'ils euh, avaient sorti. Voilà, pour les, les 30 ans du film, est-ce que euh, on aura enfin, enfin l'édition collector dont je rêve Ultime. La, la <laughs> grande boîte, les photos je l'espère, je l'espère franchement du fond du cœur. Parce... Donc voilà, croisons les doigts pour que l'année prochaine On une belle surprise. Pour les 30 ans du film, il soit enfin considéré comme tel parce que pour les 20 ans, il y avait rien, pour les 25 ans, il y avait la fameuse réédition, je pense en blu ray avec cette horrible horrible chose ne appeler ça un boîtier c'est mmh. cette horrible édition collector qu'ils avaient faite. Donc, euh, donc voilà, quoi euh, très déçu euh, jusqu'à présent et croisons les doigts pour que l'année prochaine, euh, ils, nous, ils nous sortent enfin un Forest Gump digne de selon moi. En attendant, euh, j je saute parce que pour 14,99€ comme il est présenté mmh. sur Amazon pour le moment, avoir le film en 4K, euh, c'est un plus. C'est un plus. Nouveau film. Darkman, qui a dit que je n'aimais pas euh, les comics américains ni les super-héros Ben ouais, voilà, Et il est là, il est ici. Oh là là. Le voici. C'est une fameux Darkman. Darkman, édition ultime, donc film qui date de 1990, film que j'ai été voir au cinéma Andrés mm -hmm. à l'époque, j'ai directement parlé de cette, euh, cette édition, ouais. de, cette, de ce bel objet mm. euh, à, à Andrés, euh, tu l'as également commandé, moi j'ai déjà, moi, déjà la raison, j'ai regardé ouais. le 1, parce que dedans il y a... Le 2 et le 3. Le 2 et le 3, ouais. euh, nous avons un, un peu tout, hein, ici, mmh, regardez, ouais. donc, vous avez Darkman, édition limitée, format, mmh. ben, presque comics américain Comics hein. américains, ouais. Donc, bon. euh, comics américains, euh, classe, a, hein, classe, à, classe ouais, ouais. carton. À, enfin, à l'intérieur, euh, oui. donc, vous avez euh, euh, un coffret prestigieux, donc, découvrez, pr « Découvrez pour la première fois Darkman de Sam rémy, rémy euh, en haute définition ». Donc euh, plus de 3h30 de bonus inédit, un son anglais 5.1, le comics de 100 pages, donc... Euh, euh, et tout est, en ouais, Inspiré des films euh, entièrement traduits, donc euh, en français, français hein, comme Andrés vient de nous dire. Et à l'intérieur de ce coffret euh, prestigieux, comme il est marqué ici, euh, vous découvrirez pour la première fois Darkman de Sam Raimi, euh, en haute définition, c'est une première. Plus de 3h30 de bonus, un mixage de son 5.1, le comics en 100 pages. Ben bah ouais, c'est ça, c'est mmh. le comics plus les, les films et justement les films, les trois à l'intérieur. Mmh. Donc c'est un coffret, une, une édition ultime, numéroté, tiré à 4000 adresses 200. 4200 exemplaires euh, niveau prix ben franchement il fait le taf il est Sincèrement, à... il, il, par rapport à d'autres collections d'autres collecteurs qui a mmh. euh, chapeau parce que mmh. il est imbattable pas en vue prix il est imbattable hein. ouais. T'as as un beau coffret, enfin, c'est un coffret, oh, donc, a, un quoi, beau a, coffret vraiment bien mis en valeur. Ouais, hein. ouais, ils l'ont bien réfléchi. Le comics à l'intérieur, je crois que c'était en anglais quand je commencé à dire. Ouais, c'est du français, français génial. Vrai, et, euh, et le prix, 30 euros. Euh, 20 euros ouais. à la... euh, À l'atelier d'image Voilà, et... 20, 30 euros à l'atelier d'image. Ouais. Preneur, hein. Ouais. Pour 30 euros, vous avez trois films. Hein. Ouais. <laughs> en, en prolongation sur ouais. euh, l'atelier d'image. Ben, vous avez celui-ci. The Game. Ben Figurez-vous que c'est un film que, que j'ai raté à l'époque parce que je pensais qu'il sortirait euh, euh, sur euh, les sites Amazon, Afnac, etc. Non. Et il semblerait que c'est une exclusivité chez euh, l'atelier d'images. Hein, on ah, vous laisse ici. Euh, rien, enfin, ouais. un peu, euh... Donc euh, le film de Game de David Fincher avec euh, notamment Michael Douglas et Sean Penn. J'adore. À l'intérieur, ben euh, tu peux faire euh, ouais. un peu la lecture, Andrés Il y en a pas mal. Alors, ce coffret numéroté, il est numéroté. Oui, il est numéroté, voilà, alors, déjà. On en revient tout suite. Ouais. de suite. Le Blu-ray, de nouveaux euh, suppléments inédits. Ouais. Donc, il y a plusieurs trucs. Mmh. Un tout nouveau mix, donc mmh. Euh, mmh. du points. Du 7, 7 oui. Ça, c'est. Le DVD collector universal. Ouais. Un livre inédit de 56 pages. Un ouais. puzzle. Ouais. Un porte clé et encore d'autres surprises. C'est ouais, le porte-clé de la société, je pense. Oui, oui, là, la porte-clé de la société CRS. CRS, oui. Donc, donc, euh, il donc est le... très, très complet. Hein, papa... C'est un coffret qui est également numéroté, tiré, et ce n'est pas un hasard, à 1997. Vous avez tout idée, compris. Donc, vous avez tout compris. Le film date justement de 1997, 97. Donc, le ah, mien... Ils font beaucoup ça. Ouais, c'est <laughs> chouette, c'est chouette. C'est franchement bien vu. Et, et donc, euh, voilà. Et dire euh, aussi que le film The Game avait été réédité déjà il y a il y a quelque temps. Hein. Je ne mmh. sais plus si Andrés dit que c'est il y a quelques années. Moi, je dis qu'il y a quelques mois. Enfin, je sais pas. Bref, euh, on l'avait présenté en édition collector classique. Celle-ci existait déjà. J'étais passé à côté et par bonheur, ben il en reste encore. Donc, euh, j'ai sauté dessus parce que je trouve que le film mérite euh, bien. En tout cas, moi, euh, je... Je, ce film m'a plu énormément et je voulais l'avoir dans sa, son édition full Ultime, collector. Voilà. Donc, les deux seront présentés dans. Ouais, ouais, bien les sûr. Les Collectors. Ils, ils seront présentés sur ce C'est des, ouais, des vrais collector. c'est des vrais <laughs> collector. On parle pas de Steelbook. Évidemment, il manque un peu côté technique. Donc, c'est vrai qu'il manque le 4K pour ces deux Collectors. Mais bon, ça, Mais... c'est une autre histoire. C'est réservé à une autre rubrique. Continuons avec, euh, euh, la nôtre, les commandes du mois. Et, euh, j'en suis donc, euh, à mon quatrième film, c'est ça Premier, deuxième, troisième, quatrième, non, cinquième film. Cinquième, cinquième film, pour les commandes du mois. Ben, c'est une VO. Une VO, euh, ouais, et pas une VO anglaise, une VO espagnole. <laughs> version euh, donc euh, espagnole. Il n'y a pas de euh, VF dessus. Il y a quand même un sous-titrage français. Mmh. Il s'agit du film Lettres à Franco d'Alejandro Amenavar. Alors Alejandro Menabar, moi personnellement c'est un réalisateur que j'apprécie assez, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Mm. Euh, on peut laisser quelques photos là. Ben, tu as quand même Tessis, 6 euh, Les autres avec Nicole Kidman, mm. Val Sky. Euh, il y avait également Malavento avec Javier Bardem. Et euh, nous avons donc ici euh, lettre à Franco. Donc euh, bah ici, le film nous offre un portrait de l'Espagne de 1936, euh, un portrait de l'Espagne franquiste, de l'Espagne fasciste, sous le regard euh, de euh, Miguel de Unamuno. Ça, franchement, en tant que nom, il fallait le trouver. C'était un écrivain de l'époque, un écrivain qui se voulait surtout, en tout cas euh, au début de sa carrière, plutôt de droite, et qui, en fonction de la crise en Espagne, euh, va... Euh, Quelque part chambouler euh, tout ça avec euh, notamment en fin de film euh, un discours euh... Qui marquera euh, les esprits. Esprit. Moi, le film, je l'ai vu. vu ouais, je l'ai vu avec euh, mon fils. J'ai plutôt euh, bien aimé. Après, mmh. évidemment, euh, c'est c'est carrément euh, un débat, un débat mmh. qui serait peut-être intéressant de faire peut-être euh, un jour euh, avec euh, avec Pedro, hein, euh, lui qui est espagnol et ouais, qui a, qui est, qui il, a vécu, tout... qui, qui a vécu un peu tout ça. Donc, ce serait assez intéressant. Mais bon, ben bah, voilà. Moi, le film, il m'a il m'a plutôt plu euh, une belle surprise. Je ne connaissais pas euh, le, le film. Je l'ai trouvé simplement en faisant des recherches sur euh, la guerre d'Espagne. Hein. Bon, ben, c'est vrai que niveau cinéma, la guerre d'Espagne, ben c'est surtout le Labyrinthe de Pan. Hein. Oui. De Guillermo de del Toro, que j'ai souvenir, c'est juste lui, qui avait marqué les es ouais. les esprits et puis échelle, Je vous le conseille fortement. Après, bon bah ouais, il est en version euh, originale euh, euh, ouais. espagnole, sous-titrée en français. Il n'y a pas de blu-ray il n'y a pas d'autres définition euh, Donc voilà, à vous de voir. Moi, en tant qu'espagnol, ben bah, quelque part, j'ai été bercé dans ces histoires-là, dans, histoires, ouais, dans ces vrai. histoires, et bon bah c'est toujours euh, un plaisir, plaisir entre guillemets de revivre cette histoire d'une triste Espagne manifestement et pour rester dans la politique ben on va embrayer avec la Dame de Fer superbe franchement tu l'as vue superbe j'ai entendu que du bon que du positif je l'ai vu samedi samedi passé un, un film qui date, je pense, de 2011, c'est ça, André? Oui, hein exactement. Ouais, euh, qui a été couronné euh, à l'époque ouais, par ça... euh, un, un Oscar, je pense. Oui, la meilleure que... actrice. La meilleure actrice. Et le meilleur maquillage. Meryl Streep, extraordinaire, enfin j'ai envie de dire. Ouais, comme euh, comme d'habitude. Ouais, enfin, pour comme, nous, euh... comme, comme, <laughs> comme à son habitude. Bah, c'est hein. ça, pour nous, c'est du euh, grand. La Dame de Fer, ouais, euh, elle joue euh, le rôle, en tout cas un biopic, euh, une partie de nouveau de, de la vie de Margaret Thatcher. Hein. Donc le film évoque, vous l'aurez compris, hein, une partie de, de de la vie de Margaret Thatcher, hein, la, la Dame de Fer. Le film euh, revient bien sûr sur euh, euh, plusieurs euh, épisodes euh, de, de son mandat hein, en tant que première ministre du gouvernement d'Angleterre. Euh, comme ça de mémoire, là, euh, euh, je pense que les, les, oui, euh, la guerre des Malouines. est... Est tiré quand même assez en longueur dans, dans le film mais on revient bien sûr à les problèmes terroristes de, de l'époque avec l'Ira et même déjà une petite parenthèse les frictions avec l'Europe et surtout c'est le, le plus important c'est pour moi le plus important dans le film et puis euh, aussi euh, on, on en sait beaucoup plus sur la femme mmh. euh, à travers euh, des des flashbacks sur euh, sur sa vie franchement c'est super bien joué okay. j'ai j'ai vraiment ah, euh, ouais, <laughs> ouais, j'ai j'ai vraiment adoré le film est encore assez facile à trouver je dis encore parce qu'il date quand même euh, il y a plus de dix ans, donc mmh. euh, moi je me le suis pêché euh, sur euh, sur Amazon à un prix défiant toute concurrence, une super promo. Mais bon, euh, pas de. Que je, pas 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 de en tout cas je suis pas tombé dessus pas de haute définition pour le film si vous avez des infos les commentaires Mais bon hein, je, je, contre... je pense que Meryl Streep est une grande actrice le film a, a plutôt plu oui, oui, et il... est, est fort à parier que Ils il, il ouais, qui reviendra ouais. tôt ou tard avec une réédition ré ré digne de ce nom ouais. je le pense franchement à fond en tout cas en attendant moi euh, j'ai ai vraiment aimé la télé ça sert à quelque chose aussi hein, ben, figurez-vous <laughs> il passé ouais il est, il l'avait passé euh, Ici sur la, la RTBF, j'ai vu 5 minutes de film. Je me suis dit, dit c'est vrai que je suis passé à côté de dessus là, moi. Franchement, dit, ouais, ben, je vais ressortir dessus directement. Téléphone, Amazon. Oh, voilà, il est là. Voilà. Ça se passe souvent comme ça. Et bon, ben voilà, euh, c'est quasiment tout pour euh, ce mois-ci. Euh, je vous disais à travers Darkman, qui a dit que je n'aime pas le comics américain, les super héros Encore et mais, tout ce qui s'ensuit. Ben qui a dit? Euh, ah bon. je n'aime pas les séries ah euh, eh ben voilà j'ai plongé euh... ah bon, ouais, ah bon oui, 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 qu'est-ce oui. qu j'ai plongé pour une série ouais je m'explique moi les séries euh, c'est pas pour moi c'est pas pour moi. Euh, c'est vrai que il y a des séries qui ont bercé mon enfance. Et si vous suivez la chaîne, vous le savez, je suis une <laughs> personne assez nostalgique. Et bon, bah ben, les, les séries de mon enfance, je les ai. L'homme qui valait 3 milliards, non, la petite maison bien. dans la prairie, euh, l'homme invisible, les aventures de l'homme invisible, etc. Euh, mais il y a des séries que j'adore. Je reconnais que niveau série, euh, euh, il semblerait, il semblerait parce que c'est fou que ça puisse paraître. Moi personnellement, je n'ai jamais vu. Je tiens à le dire. Un seul épisode de Game of Thrones ou de quoi que ce soit, mm. je ne sais même pas à quoi ressemble le générique, c'est la vérité. Euh, mais, 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 quand on fait une mini-série, là, je deviens client. Je ouais. pense surtout, et tu le vois d'ici, mm. euh, sur la base derrière. Euh, Band of Brothers, Pacific euh, Rome. Là, euh, je, suis, euh, je suis client parce que ce n'est pas tiré en longueur et c'est surtout ça le problème. Je ne doute pas que des séries comme Game of Thrones ou euh, je ne sais ouais, pas ouais, euh, Stranger les... Things, ouais. mais non, tout ce qui se passe euh, sont, Une sont des ou mauvaise, Ouais, euh... sont des séries où, où on investit ouais, de l'argent ouais, ouais. et que le côté visuel et le côté ouais. artistique euh, est là, mais c'est trop tiré en longueur et ça termine toujours en de boudin. Je ne me vois pas investir là-dedans, moi qui aime le support physique. Par contre. Quand on touche des, des séries comme Tchernobyl, par exemple, Tchernobyl. voilà, là, ça m'intéresse et je deviens. Et, 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 un début et une fin. Ouais, voilà. En 10 épisodes, si je Ouais, épisodes. Ici, c'est en quatre épisodes de, de 100 minutes chacun. C'est ce que je veux dire, c'est très... Il s'agit d'une série qui commence à dater, puisque je lis, j'ai marqué qu'elle date de 1998-98. Euh... Une année riche pour les Français puisqu'ils avaient gagné la Coupe du Monde de football. Non, mais plus sérieusement, ils avaient vu euh, donc euh, le, le, la fameuse série Le Comte de Monte Cristo avec euh, Gérard Depardieu. Moi, le comte, mmh. moi, 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 le de Monte Cristo, euh, j'adore. Hein, donc euh, l'adaptation du roman d'Alexandre Dumas. Euh, moi personnellement, j'adore. Euh, J'ai une superbe, superbe, hum, superbe film sur. Euh, euh, la vengeance de Monte Cristo. Génial. Superbe film. On peut laisser la photo ici à côté. Je vous le conseille. Allez jeter un, un, un coup, coup d'œil. Mais, mais cette histoire est tout simplement euh, géniale, quoi. La trahison, la vengeance. Superbe. L'amitié aussi, il faut dire. Euh, faut dire ce qui est et le fait que ça soit tiré en longueur bah parce que tu vois quatre épisodes de 100 minutes ça nous fait au total 6h40 de, de cinéma mmh. moi je suis euh, je, je saute dedans j'ai une autre édition comme ça sur un une mini série de l'époque c'est jack l'éventreur aussi tiré en longueur jack ouais. l'éventreur ouais, ouais. avec jeu. michael ken qui jouait euh... ouais, superbe okay. super et, et bon bah voilà je suis très friand de ce genre de entre guillemets, série. Mais bon, ça, ça, ça... Bah là, tu me dis une série, mm. mais là, il n'y a qu'une saison et c'est fini. Quoi. Tu vois ce que. Enfin, on voilà, se comprend. Tu peux appeler ça une mini-série, euh, un ouais. téléfilm de l'époque. C'est plutôt un téléfilm. Ça marche plus. Plutôt... Mais, 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 mais je trouve mais que. C'est mieux, c'est mieux, quoi. Moi, j'adore. Moi ouais. Et pour les, les, les ouais. amateurs du, du genre, les fans mm. de Gérard Depardieu, ben, ce que ils, ils sont rêvés. Ouais. ni plus ni moins, que ce soit un de ses plus grands rôles avec Cyrano de Bergerac et peut-être Christophe Colomb aussi. Donc que j'ai okay, okay, okay. moi franchement j'adore veux... euh, euh, petite euh, petite info concernant le conte de monte Cristo il semblerait qu'il y ait une suite du... enfin ouais, une suite du du roman d'Alexandre Dumas qui euh, serait en... Production en en préparation ah. du moins et qui devrait sortir d'après ce que j'ai lu en 2024 ou 2025 je ne sais plus ah, très okay, bien okay. Ouais, bah... mais, mais, mais bon voilà quoi on, on en serait ça serait en fait d'après ce que je sais je je ne suis pas certain, ouais. mais ça serait la suite des aventures d'Edmond Dantes, donc euh, allez savoir. Moi, personnellement, j'adore ce cinéma-là et euh, les Misérables, tout ça, j'aime ouais. énormément. Et donc, voilà, euh, c'est tout pour euh, ce mois-ci. Ça nous fait le pire voisin, une nouveauté, Forrest Gump, euh, en 4K. 4K, une réédition Darkman en super collector. andré a bien insisté dessus. D'ailleurs, il a sauté dessus aussi. Ouais, ouais. The Game, un film que que j'ai adoré du grand David Fincher. Lettre à Franco, ben ça c'est mes racines. Hein. Qu'est-ce que tu veux <rire> <rire> La Dame de Fer, oh, ouais, c'est du Et du puis ouf, ouais. et puis bon ben le, le conte de Monte Cristo, l'adaptation d'Alexandre Dumas, Edmond Dantes. Waouh, franchement. Moi, je trouve que c'est vraiment pas mal pour conclure cette saison. On Touche un peu à tous les cinémas euh, du, du de l'aventure, enfin de l'aventure, de l'historique, euh, biopic, euh, 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 fantastique, euh, dramatique. <laughs> euh, il manque érotique. <rire> <rire> non, restons sérieux. Voilà, c'est tout pour euh, cette euh, cette diviné. vidéo. On vous donne rendez-vous ouais. euh, euh, pour ces deux collecteurs dans la rubrique euh, collector euh, qui arrivera très vite. Hein. Oui, bien sûr. Parce que niveau collector, Andres, on n'a pas grand chose de plus à, à se mettre sous la dent ce mois-ci. Hein non. En tout cas, les deux nouveautés ben, que moi j'ai commandées, il voilà. n'y ben, euh, a pas vraiment pas grand chose. Peut-être que si on trouve le moyen, on, on intercalera peut-être une. Euh, une vidéo ou deux, on verra bien. Ouais. Ou alors on vous met un coffret d'antem. Un coffret bien, on verra bien. Ça sera chouette. Ou alors on met une vidéo en plus euh, pour les plus jeunes. Euh, de, de la chaîne euh, un petit living room en plus un petit living room ouais, euh... comme on a moins de collecteurs on va, on, on, va verra la, bien. on va essayer de faire plaisir à tout le monde voilà, voilà en tout cas soyez au rendez-vous pour ces deux là parce que ça a l'air d'être du lourd toi tu as déjà ouvert le tien déjà bref, ouvert le mien hein. j'ai déjà commencé à regarder ah, le voilà. mien moi j'ai pas encore ouvert hein. regardez je m'en <laughs> pas il brille il brille, brille. Ouais. <laughs> brille. j'attends de l'ouvrir avec vous voilà c'est tout pour cette vidéo les amis Likez si elle vous a plu. Euh, venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et surtout, continuez à vous abonner. C'est la meilleure façon de ne pas rater la rubrique des collecteurs qui arrive très vite. Ouais. Et découvrir un peu ce fameux Darkman et, et the gear. de David Fincher. Allez, à très bientôt. Gros bisous à tous. Ciao, ciao. Ciao.